Hey, hey, cucu mes petits culs, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin ou à l'heure que vous voudrez regarder la télé. Non, cet épisode de Croux aujourd'hui, je vous propose au menu un petit cambriolage. Tu vois, il y a plein de cartes comme ça qui se baladent. Il va falloir qu'on les évite et tout avec les caméras et tout ça, tu vois. C'est pas facile. Bon, j'ai dit de la merde. Alors, la dernière fois, je me souviens pas qu'on était. Pour moi, on avait été par là. J'avais pas été par là. Ah, il y a une porte. Ah non, parce que oui. Si, on avait. Voilà, on avait mis celui-là par terre, on était venu, tout ça. En fait, je m'étais posé la question de est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille par là? Parce que ici, on a déjà exploré. Il y a l'air de se passer un truc très complicado ici aussi. C'est dans ce sens-là qu'on connaît déjà. Si je suis allée par là, c'est parce que par là, ça ne servait à rien, je pense. On va se remettre un peu dans le bain. Ah, alors si lui se met là... Ah. Oh. Tableau de distribution. C'est Bishop qui a la fourche. C'est Bishop qui devra aller là-bas. C'est un peu Tandax, hein. C'est un peu Tandax. Notre mission, c'est de venir ici, en fait, qui est le truc de la ventilation pour gazer avec du gaz hilarant les matelots qui viendront danser sur la piste de danse, bien sûr. Bien sûr. Et bon, bah, on avait avancé un petit peu. Je vais faire une petite pause réflexion et puis, bien sûr, on va continuer l'aventure. Ok. J'ai réfléchi et il y a beaucoup de choses encore à faire. Alors, oui, j'avais cliqué sur les trucs pour voir à peu près où ça se connectait. Effectivement, on va venir dans ce coin ici. On va essayer de tenter de régler ce problème de ce monsieur. Le problème, c'est que ce monsieur, il a... un truc assez compliqué, mais il y a trois choses qu'on peut défaire chez lui et c'est quand même intéressant. J'avais pas vu, il y a un safe en plus. Oh là là, mais on n'aura jamais le temps. Ah, il y a des sous et là il est ouvert. Ouais, bon, ça va être. Ça va être compliqué quand même. Pour le but de venir ici, le mec il résiste à tout pour les compétences de Rufus. On peut pas l'enfermer. Donc il faut l'éloigner. Pour l'éloigner, nous avons le mannequin écho ou le poète-poète. J'en ai pas dans mon inventaire. Mais c'est vrai qu'il y en avait un ici. Donc le truc, ce serait d'aller le chercher. Celui-là. On est plutôt encore bien placé, donc on va le faire tout de suite. C'est quand vous voulez. Je vais prendre Bichette. Et on va aller le chercher... Est-ce que ça, c'est une porte qui est connectée? Non. Tu vas venir jusque là. Et puis après, elle va aller le chercher là. Il n'y a pas de caméra. On a la porte... Ah non, la porte, elle s'ouvre pas. Il faut que je... D'accord, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Rufus, tu vas venir avec elle. On va faire ça comme ça. Il va aller où, lui? Mais il a même pas de cercle là! C'est nul! Tu vas! Faut faire gaffe parce que lui il va. Ouais, il pourrait très bien regarder. Oui? Donc. Sachant qu'ils ont des. Ils voient à travers les dessous de porte et compagnie, faut que je fasse attention. Ouais, lui il va falloir qu'il bouge. Si tu bouges, toi, donc non, pour... Ouais, bah tu vas quand même aller là. Comme ça, parce que je voudrais pas me faire arrêter. Ce bruit! Ce bruit me fait tellement peur! Ok, tu... Cocotte, tu peux aller jusque là. Sans dommages et intérêts. On va attendre que lui passe. De toute façon, elle est rapide, donc voilà, il peut ouvrir. Okay. Alors, tu vas venir là et tu vas revenir là.
Normalement, elle se fera pas voir. Lui, il est trop loin. C'est bon. Donc, toi, tu vas re... Ah ouais, parce qu'il y a le truc là, donc on va pas. Elle est revenue. Tu reviens là. Le fait que ça s'est rallumé, parce que j'ai bougé Renono, le petit robot qui était là. On est bien. On est bien, on est bien. J'ai Alors? les bonnes mécaniques. Serrure accrochetée. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il faut aller jusque ici. Jusque ici. Pour cela, il faudra attendre. Je vais les. Est-ce que ça passe s'ils sont tous les trois là? Oui. Normalement, je pense que c'est bon, Ouais. hein. Ils se feront pas voir, hein. Refus, tu vas te faire voir. Voilà, là c'est bien. Je me dis. Le mec, il va pas les voir. Je vais attendre qu'il revienne. Le gars ici. Pire, ça marche pas, je les ferai reculer. Oh putain, il va se faire choper. Ouah, c'est tout juste, Auguste. Fichtre. Bon, là on va savoir, hein. Faudra qu'il y retourne pour enlever ça. Alors. Est-ce qu'ils vont. Non, logiquement, ils les voient pas là. Les voient pas. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, hein! Il est où le gars? Il est là-bas. Tu vas pouvoir retourner là, du coup. Et on va en profiter pour le suivre. Attendez. En fait, on pourra pas l'éviter sauf si on rentre là. Y a une porte là. La porte là, il peut l'ouvrir, Nono. Je vais pas pouvoir aller là, par contre. Est-ce que c'est cette porte là? Ouais. C'est quoi le topo? Le topo, c'est que vous allez venir là. C'est la sortie en plus, de toute façon. Vous allez venir là le temps que le mec. Passe et revient. Parce qu'il y a le mec. Ouais, le mec il revient là, donc je trouve que ça peut être un peu tight de. S'ils rentrent tous ici, à moins que je les planque là. Hein. Écoutez, je vais faire quand même que Bishop il déverrouillera et au pire je fais les deux, comme ça au moins je suis plus safe. Allez, donc du coup, tac. On y va. Tac. Ça va barder. Ça va barder, ouais, t'as raison. Comment ça, chouette? Des intrus! Fuck! J'ai fait bouger le robot trop vite! J'ai foiré mon coup, désolé. Y a pas que toi qui a foiré ton coup! Oh non! J'ai fait bouger trop vite. J'étais bien, mais j'ai fait bouger trop vite le robot. C'est ça, d'être stressé, tout ça. Donc toi. Tu restes là. Bah oui, parce que du coup, il s'est pris le laser en même moment. Ah là là, je vous jure, hein. Il y a des fois. Hein. Ok, ça c'est bon. Tu peux aller là maintenant. Vacht. C'est quand vous voulez. C'est quand je Oui. veux, c'est maintenant. Oh, ce bruit, des fois, me fait tellement peur. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. On y va. Et maintenant. Oui. Au travail. Surtout Bishop parce que je veux qu'il ouvre la porte. Touloulou. Alors? Alors que si les deux autres, je les mets là, c'est safe. Je suis prêt. Donc soit je le fais vraiment suivre au cul.
Ouais, là le gars revient, donc c'était vraiment suicidaire. Hein. Est-ce que je vais avoir le temps? Oui! Oh. C'est bon, j'ai juste le temps. C'est bon, Bishop. Toi, tu bouges. Ce stress! Après, je pourrais très bien aller là et tout, mais là, il y a une caméra et il faut défaire la caméra. Coureuse parée. Vaste. Il n'y a pas que la coureuse qui est parée. Oui. Tu vas venir là. Vous êtes prêts à repasser. Pareil. C'est la porte. Dès que lui est passé. Ça jouait serré, mais lui, il n'est pas encore en train de revenir, donc... Ah ouais, mais après, je vais... Attendez. Après, il vient jusque-là, là, on est recoincé. Donc après, le robot, il doit aller là pour libérer, et puis on peut se... On est un peu plus safe ici. Ah, mais ça va activer ce truc-là, donc... je vais... Ici, max, quoi. Vraiment. Cette porte, ouais, elle est activée seulement là. Okay. Bon. Faut y aller par étapes. Hein. Nono, il va bouger. Ouais, j'ai limite fait déjà trop tard, mais bon. Alors? Alors, ben. Je vais déjà les faire venir. Et maintenant? Ils vont faire. C'est quoi le topo? Non, 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 tu fais. Ça Tu va casses pas barder. Le mur, mec. T'es ouf. Hein. Une serrure accrochetée? Une bar mitzvah organisée? Allez, on va. Je jure, je stresse. Oh, je stresse. Non, je n'ai pas les compétences nécessaires. Oui, t'inquiète. Ok. Ok. Ok, ok. Attendez. Je réfléchis. Il faut là que j'aille ici pour le robot maintenant. Sachant que le mec il part, donc c'est nickel. Oui. 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 Et ici, on peut pas rentrer. Ouais. Oh là 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 là. Au travail. Normalement, c'est bon. On est avancé jusque-là. Nono, il est bien. Oh là là, je suis en stress, vous imaginez même pas. Non, ça va être la partie un peu compliquée. Ah! Pour ouvrir cette porte, Nono, il doit aller. Il doit aller là, ouvrir la porte. On va le faire aller. De toute façon, il faut déconnecter, donc il faut qu'il s'en aille. Et il va ouvrir la porte là. Mais là, il va aller. Il n'y a aucune raison qu'il les voit à travers, mais bon. Non, c'est bon. Alors, il faut se la jouer serré. Coller serré. Ah, puis, alors, ah oui. Alors, par contre, le mec, il voit une toute petite partie. Grâce à la chaise de bureau, il ne voit pas ce qui se passe. Mais c'est, il faut quand même passer comme ça, soit par là, soit comme ça. Mais là, on est safe en fait. Une fois que le Sims, je vais dire, que le perso, il va être safe là. Bon, je vous avoue que je suis pas très rassure. Hein. Et maintenant, c'est quoi le topo? Faut que je vois, mais à mon avis, le cycle il est assez court. Comment dire? Son cycle de garde. Mais en fait, il faudra être hyper serré. Je dois faire passer trois personnes. Ça va barder.
C'est quand vous voulez. Je sais pas s'ils vont y aller. Je tente tout pour le tout. Oh punaise, vous imaginez même pas à quel point. Ça c'est fait. Il faut que je fasse gaffe. Non, parce qu'en plus il y a toujours la musique. Comme quoi il est repéré, mais en fait je m'en faisais. En fait là le mien, c'est parce qu'il est visible à la caméra. Mais quand, tout à l'heure quand je jouais avec là, ça s'activait que quand le garde approchait. Mais là si je fais pas gaffe, le garde va le choper. Il est là. Donc il a encore un petit bout de temps. De toute façon, il faudra qu'il bouge là. Ça, c'est reconnecté à là. Donc il faut qu'il retourne là pour désactiver ça. On va y arriver. Oui. Lui, il est en train d'ouvrir la porte. Tiens. Alors ? Vous allez rentrer là, les garçons, les enfants, parce que là... Je vous jure, je pensais pas que j'arrivais à le faire. Il reste très longtemps là, mais très peu de temps par là. Mais ça va être... Oui, bah, il va falloir l'éloigner. Je suis en train de me dire comment je vais faire ça. Où est-ce que je mets le pouet-pouet ? Il faudrait qu'il s'en aille de cette aire de jeu. Mais il faudrait pas qu'il soit là non plus parce qu'on va devoir... C'est une porte toute simple, c'est au moins ça de gagner. On va devoir rester là. Au moins se planquer jusqu'ici au pire des cas, mais... Dans le coin là, s'il faut. Cette porte elle est connectée, d'accord. Parce que bon, donc en gros... S'il faut qu'il s'en aille de là et qu'on a besoin de là, ça veut forcément dire que il faut poser le truc plus dans l'autre côté en fait, pour qu'il aille par là. Et pendant qu'il est par là, nous on s'affaire ici. Ouais, et comme j'ai envoyé Cléopatra faire le pouet-pouet, c'est dommage parce que, m'étais dit, le temps qu'il s'en aille, j'aurais pu foutre Cléopatra qui fasse tous les trucs. Mais en fait, Bishop, déjà, il doit faire le safe. Ouais, je suis même pas sûre qu'on ait le temps. Aïe aïe aïe. Je suis en stress total. Ça, Jean-Jacques, le robot, tu vas y retourner là pour désenclencher ça. J'ai eu peur, je l'ai vu bouger, je me suis dit oh my god. Serrure accrochée. Du coup, est-ce que Georgette... Georgette, je vais devoir l'envoyer. Mais elle va aller où après une fois qu'elle est posée le machin? Imaginons, je pose le truc, le pouet-pouet, genre là. Pas dans la caméra, il faudra voir parce que le truc, il est assez... Voilà, il est assez bruyant, faut pas capter le truc là de. Le garde, la garde de l'autre qui passe. Faudrait pas qu'il passe à ce moment-là et qu'on soit dans la merde parce que. Ce garde-là, il la verrait pas. Il faut que ce soit pas dans l'axe de vision de lui, qui est un peu comme ça. Donc c'est soit ici. Ah non, parce que si après elle repart par là, ils vont se croiser. Et il y a une trappe aussi. Soit le pose là, qui est à l'abri des deux. De soit la caméra. Ouais. Ou alors, il faudrait qu'elle parte par là. Donc, c'est-à-dire que le robot. Là, une fois, ils sont passés, je les fais passer là, hein, Bishop et machin, donc ça, c'est bon. Mais elle, elle reste là. Je vais la faire sortir. Quand il se retourne comme il est là, elle va là, elle pose le machin. De toute façon, oui. Bah oui, parce que il est coincé ici. Pour arriver là, il sera obligé de sortir. Donc pendant qu'il est obligé de sortir comme ça, il regardera plus là. Donc elle pourra se barrer, se planquer. Je pense que c'est ça. Je
pas si vous arrivez à piger, bon, mais bon, on va faire ça. Mais, ah ouais, mais attends, il vient à peine d'arriver. Et lui, il se retourne déjà. Oh ouais, c'est chaud. C'est chaud patate, hein. C'est chaud patate douce. Donc les deux, ils vont être là. Alors, imaginons. Oh non, mais je préfère prendre les précautions parce que le gars, il va partir. Il va. Ah ouais, il y a une porte là. Bon, il va pas se taper le tour là. Il va, à mon avis, il va passer ici. C'est plus logique qu'il passe comme ça. Mais bon, sait-on jamais. Il va voir le truc, nana. Il va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après, il risque de venir là. Donc, faudrait que ça. Ah mais en fait, c'est bon. Ah mais ça va ouvrir les deux portes, donc limite je peux la planquer ici. Je pense que c'est bien. J'ai eu peur, je me suis activé le truc, là j'ai une peur bleue. Ah ouais, parce qu'en fait, soit il est dessus, il ouvre les deux portes. Oh, c'est ce qu'on va faire. Je vous jure, je suis en état assez... Je suis assez stressée quand même. J'ai peur comme si je jouais ma vie, quoi. Mais j'aime tellement ce jeu et puis c'est tellement... Là, ça devient compliqué. Là, j'ai jamais vu un truc aussi compliqué quand même. On est dans le point dans le jeu. Oui. Donc... Georgette, tu vas avoir pas beaucoup de temps. Toi, faut que tu ouvres la porte. Donc, faut que tu te mettes là. Il est où Ah, il arrive. Ah ouais. Ah, c'est chiant. Et elle est dedans, regardez. Elle est devant lui, il la voit pas parce qu'il y a une chaise de bureau, mais c'est tellement débile. Dans ce cas-là, on va attendre un an. Parce que le gars, il va passer, ça va être tendu aussi, il va entendre l'alarme et tout. Coureuse, je sais pas, ça me fait peur. Replanque-toi. Je vais attendre Ouais, je vais attendre qu'il soit bien placé. Bien passé, pas placé. On installe à lui. Alors, il est parti, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 4 secondes. C'est chaud, putain. Pardon, je suis vulgaire, mais c'est très très complicado. Ouf, ce stress. Ce stress. Tu vas revenir là. Il va pas te voir, donc ça c'est bien. Dès qu'il se tourne. Ah là, j'ai 4 secondes, mais je la fais juste traverser pour poser. Et le machin, il va gueuler et lui va bouger. On va faire ça. Procéder par étapes. Hein. Attention. Attention. Ok. Tu vas là. Tu poses ton pouet. Et tu vas à côté. Toi. Tu vas là. Sachant que le mec, il est même pas arrivé à son point ici. Ce stress! Attendez, ouais, je suis bien sûr Nono. Et elle, je la reprends en main. Elle est rapide, ça passe. Attention. Ah mais regardez, il va venir là. Oh, ça me va libérer le temps. J'espère qu'il va pas il va avoir là. Ça va me libérer le temps pour accueillir. Oh mon dieu, je suis en stress. Tu vas vite là, et là, sauf qu'il y a lui ici. Attendez, je vais quand même la faire venir là. Normalement, il vient pas en fait là, donc je vais la laisser là. Attendez, oh là 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 là, ce stress. Genre, oui, oui, le truc rouge là, c'est méga horrible. C'est bon, elle est safe. Le nono, je vais peut-être le bouger du coup, comme ça je suis tranquille aussi. Ok, lui. Je suis prêt. Va falloir, ouais, mon gars, parce que je vais avoir besoin de toi. Toi aussi.
Oui. Elle c'est bon, hein. Regardez, lui, il s'en va, ça va se refermer. Il va pas logiquement venir là. Bon, tout à l'heure, on n'a pas eu la bulle, comme quoi, s'il vient ici, je suis niquée. Et je préfère pas y penser. Au travail. Tu veux ça? Ouais. Est-ce que toi, tu peux... Tu vas faire ça. Minute... Mais ça sert à quoi, ça? Ça sert à ouvrir la porte là. Attendez. C'est-à-dire que Nono, il faudrait quand même qu'il aille là. Pour que je puisse envoyer elle là. C'est horriblement stressant. On va voir. Sachant que le mec vient de partir, c'est pour ça que je me dis qu'il y a moyen. Attendez. Ça va barder. Il va regarder. Là, il va voir ce qui se passe, non? Mais c'est une blague! J'ai perdu du temps. Et maintenant? Oui. Ah. Oh merde! Nono, t'es dans la merde, petit robot. Je sais pas pourquoi ça a activé les trucs là. Les mecs, vous avez tout fait, putain. Oh, j'y crois pas. Barrez-vous. Venez. Venez là. C'est quoi le topo? L'autre, il s'est fait électrocuter en fait. Sauf que lui, il est en train de revenir. Et Nono, il est dans la merde. Parce qu'il y en a un qui va venir là, donc il va se refaire griller. Donc je sais pas où le mettre. Attendez. Le mec qui est là, il est... Attendez, j'ai trois mecs au même endroit, moi. Ok, finesse. J'ai envie de dire, lui, il résiste à tout. Va là-bas. On va arriver à gérer. Ça a ouvert les mecs là, barrez-vous vite 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 vite. Oh, bizarre, ils reviennent là. Non, lui il continue sa ronde, c'est lui qui revient. Attendez, il est là. Pourquoi tu lui? T'es dans le champ de vision de quelqu'un? Ah ouais, de lui. Ok. J'ai pas compris pourquoi il s'est fait électrocuter en fait. Mais bon. Donc là, mon robot, il est sur aucune touche. C'est ouvert là, mais par contre, c'est toujours activé. Donc il faudra qu'il retourne quand même là pour que Cléopatra puisse repasser. Ok, en tout cas, ça a marché. Le mec est en train de revenir et il revient par là. Du coup, il verra pas mes deux. Ah bah non, c'est pas le même! Mais s'il revient comme ça... J'ai peur, en fait. Attendez. Ça, c'est une porte normale. Bah, ils vont passer derrière la porte, hein.
raccrocher. Parce que j'ai peur. RAS, faut que je reprenne la patrouille. Comme ça, moi, je suis sûr qu'il passe par là ou qu'il passe par là, il verra pas. Logiquement. Je suis en train de bader. Lui, il passe juste là. Logiquement, il la voit pas. Ah, je suis en panique. Attendez, il est là. Hein. Là, c'est celui qui fait sa garde comme ça. Donc, en fait, il revient par là. Il les aurait pas vus. Ok. Non, c'est bon. Nono, le robot, c'est bon. Ok, c'est bon. Je crois qu'on est bien, là. Je crois qu'on est bien. Oh là 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 là, je vous raconte pas. Le problème, c'est que maintenant, je fais quoi? Là, voilà, j'ai fait un truc, c'est-à-dire que... j'ai 6 trésors sur 7. Ah, le dernier... C'est celui-là que j'ai même pas été chopé ici. Je sais plus. Je me souviens qu'il y a un trésor là. Peut-être qu'il y en a un autre finalement qui est encore par là que j'ai pas pris. Après on s'en fiche. Ah oui, il est là. Ah oui, d'accord. Ok. Ah non, lui résiste pas au point de fer, donc lui on pourra l'assommer. Ok, bon. Prochaine étape, ce sera compliqué. J'arrive plus à réfléchir. Je vais essayer de sauver Mademoiselle Cléopatra qu'elle rejoigne ses amis ici. D'ailleurs, je vais les refaire passer là. Ouais. Je serai plus tranquille. Donc, Nono, tu vas pouvoir reprendre ta route. Et donc, le truc là... Attendez, c'est celui-là. Tu pourras venir là. Mais te dépêche pas trop vite parce que t'as encore lui qui passe. C'est bon, ça passe. C'est quand vous voulez. Le mec, il revient pas là-bas. Donc c'est nickel, tu peux venir là. Nickel. Elle vient jusque là. Nono, le robot, tu rebouges, tu vas là. Là, il est safe des deux côtés. Coureuse parée. What? Est-ce que t'auras le temps? Oui, mais elle est tellement rapide, c'est un truc de malade. Là, c'est quoi déjà? Donc, je vais attendre... Il va falloir qu'il aille dessus. Là, elle passe et elle rejoint ses potes. Ouah, et toi, tu retournes au milieu comme ça, je me ferai moins de mourons. Ok. Et comme je n'ai pas été et réfléchir plus loin pour le reste... Ça va se jouer tight un petit peu aussi. Hein. Il y a encore des... Il y a des caméras, il y a des lasers. Je crois que de toute façon, c'était ici. C'est un tableau de distribution. Et la seule fourche que j'ai, c'est Bishop qui l'a. Sauf que pour qu'il arrive jusque là... Voilà. Bon, et ben c'est pas grave, ce sera pour le prochain épisode de Crux. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis, ben, voilà. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit... Cucu. Je vous embrasse très fort, à très bientôt pour la suite des Crooks ou d'autres choses sur ma chaîne, salut.